Bah, quand j'étais enfant, j'ai voulu être dessinateuse. Bon, j'avais 3 ans, on m'excuse. Coucou! Ah, ça me fait plaisir de vous voir. Alors, carrière d'artiste, comment ça a commencé? Bien, je crois que c'était une candidature spontanée, j'en avais entendu parler. Vis ta peinture? Oui, je vis de ma peinture depuis. Depuis... Oui, depuis quelques années maintenant. T'as commencé par quelle galerie? C'était la galerie du Marais. Alors, je travaillais beaucoup la mode aussi à ce moment-là. Il y avait un vrai besoin de créer, de fabriquer des choses. Bah, quand j'étais enfant, j'ai voulu être dessinateuse. Bon, j'avais 3 ans, on m'excuse. C'est un rêve. T'imagines pas ça? C'est un rêve, non, ouais. non, j'imagine ouais. Ça. Je pensais pas qu'à un moment je vivrais ça. Ouais, c'est vrai, c'est beau. Donc une belle histoire. Quelle est ta technique déjà? Alors la technique, c'est ce qu'on appelle une technique mixte. Je peins à l'acrylique au couteau principalement. Ouais. Comment tu fais concrètement tes étapes? Alors concrètement, je structure ma toile avec les images. Je positionne mes images sur une toile blanche. Je construis déjà comme ça. Ensuite, je laisse les images posées. Et là, je vais essayer de poser mes couleurs sur la toile, mes couleurs de fond, mes couleurs qui vont équilibrer avec l'image. Et du coup, tu es complètement dans la couleur maintenant. Complètement. J'aurais jamais cru travailler autant la couleur. Moi, il y a quelques années, c'était beaucoup les noirs, les gris, les camaïeux beige, des tons très parisiens. Oui, en fait. C'est vrai. Et maintenant, c'est un vrai besoin. Il y a des jours où j'ai envie d'exploser dans la couleur. Et je travaille quand même quasiment 7 jours sur 7. Il faut le dire aussi. C'est vrai, tu travailles tous les jours. Oui, quasiment. On n'arrive pas sans travail. Exactement. Dans n'importe quel métier. Exactement. C'est même fable. Un artiste. Bien sûr. Même un artiste. Si on veut réussir, il y a beaucoup de travail. Donc c'est une passion d'enfant qui est devenue une réalité, une belle réalité.